Shalom, église. Shalom, kanisa. Kama mina simama mbele enu. Soki na telemi liboso na bino. Na penda nilete ushoda o mtoto. Na lingina tato lapona mwana uya. Tunakwaga kartie moya. Tofanda kana kartie moko. Lendi, dimashi zukiaka mkanisa. Dimashi na yaki na église te. Lendi, nikenda ngalea selerite. Lendi na kendeko visite selerite. Nikamona, tukanja sumulia. Tonamonie, tofandi, abandi, tobandi ko solola. Akanipandisa ti mnyumba angu. Ti akendeko tikanga na ndako nanga. Sato kona sumulia na eh. Ah, lorsque nous avons commencé à parler avec elle. Nikona mama kia katokele. J'ai vu sa mère arriver. Anapwa sa dépassé. Elle était comme si quelque chose ne marchait pas. Nikamuliza dada. Ae unakuwa ivi. Je lui ai posé la question, qu'est-ce qui se passe ma sœur? Akanyambia da Nicole, mbona wo onekanaki ku quartier? Elle m'a dit, sœur Nicole, au quartier tu es invisible. Ngamseme a Nico tu. Je lui ai dit que je suis là. Nyumba yangu tu. Ici à la maison. Akasema da Nicole mtoto wangu mwaya hivi. Elle m'a dit, sœur Nicole, avec ma fille, ça ne va pas. Nikamuliza rite, pasteur atapokea batu vendredi, rite akasema pana, pasteur alipokea lendi. J'ai posé la question à la sœur Rite, est-ce que le pasteur va recevoir les gens le mardi? Elle a dit non, le pasteur a reçu les gens le lundi. Nikamuseme mama ke ntakia kamata msika ko mercredi nendele mkanisa. Et j'ai dit à sa maman, je viendrai chercher ta fille le mercredi pour aller avec elle à l'église. Akasema da Nicole mtoto wangu asema ke atembeake. Leo iko na deux semaines tulingia mu hôpital hôpital katurudisha. Elle m'a dit que sœur Nicole, ma fille ne sait plus parler, ne sait plus marcher et ça fait maintenant deux semaines. Nous étions à l'hôpital et l'hôpital nous a retourné à la maison. Nikasema mbo mercredi tunjon takia mungali. J'ai dit OK, le mercredi je viendrai la voir. Sœur Rita kashuka mwake. La sœur Rita est rentrée chez elle. Minika ingia munyumba. Et moi aussi je suis entré dans ma maison. Mama ki akaenda. Et sa maman est rentrée. Niko munyumba mama ki anakujia tena. Quand j'étais encore dans la maison, sa mère est rentrée et retournée. Anasema Nicole, ifo nikeni kukamate tu nasema unaenda unaombaka Mungu. Retournée me voir, elle a dit Nicole, je dois venir te prendre parce que je sais que tu pries bien le Seigneur. Nikatoka. Je suis sorti. Nikabeba Biblia papa Gaston Mbuna. Et j'ai pris l'épouse à papa Gaston Mbuna. J'ai dit à maman, viens m'aider, on part ensemble là où on m'a invité. Nous sommes partis là-bas. Nous avons trouvé la famille de la fille dehors de la maison en train de parler, de discuter. J'ai fait les premiers pas dans la maison et j'ai demandé au Seigneur de se manifester. Nous sommes entrés, nous nous sommes assises. Et dans mon cœur, j'ai commencé à prier. Après avoir prié, j'ai appelé le pasteur. Le téléphone n'était pas en ligne. J'ai trouvé la fille ici dans un état très critique. J'ai appelé le pasteur, son téléphone ne passait pas. J'ai appelé papa Lokolo, ça passait mais ne prenait pas. J'ai appelé pour la troisième fois, il n'a pas pris son téléphone. J'ai laissé le téléphone dans leur maison. Je suis rentré chez moi. Je suis venu demander à mon mari un second numéro du pasteur. Il me l'a donné. J'ai pris avec moi papa Gaston Mbuna. Je lui ai dit, papa, là où j'étais, ça ne va pas. Nous sommes allés avec papa. Papa a regardé l'enfant. Il a dit, nous nous sommes mis. Lorsqu'ils m'ont vu, ils m'ont dit, ah, ton téléphone a sonné. J'ai vu que c'était l'appel du papa Lokolo. J'ai rappelé papa Lokolo. Papa Lokolo m'a posé la question de savoir qu'est-ce qui ne marchait pas avec la fille et j'ai passé le téléphone à la maman de la fille. Sa mère lui a expliqué comme quoi l'enfant
ça ne marchait plus. Elle ne pouvait plus parler. Elle ne pouvait plus marcher. Et on attendait seulement les derniers jours. Ma sœur, s'il vous plaît, vous pouvez regarder la caméra. Si comme ça, tu as mon corps au courant. Tu as laissé ma robe. Sa maman m'avait dit son cœur a tellement gonflé. Si vous voulez, vous pouvez poser votre main sur sa poitrine. On a pris ma main, on l'a déposée sur sa poitrine. Papa Lokola a commencé à prier. Après avoir prié, j'ai dit à sa maman, ma sœur, je vois avec ta foi les choses ne marcheront pas. Je prends alors ta foi que je vais utiliser avec, ensemble avec papa Gaston. Ta fille est déjà guérie, elle ne va plus mourir. Je suis sorti, c'est après que le pasteur va m'appeler et j'ai essayé d'expliquer au pasteur. Et j'ai demandé seulement au pasteur de continuer à prier. Nous sommes rentrés. Le mardi, papa Lokolo m'avait appelé, me demanda d'aller rendre visite à la fille, vérifier comment elle s'est portée. Vers 16h, j'étais arrivé chez elle. La personne qui ne savait pas s'asseoir ni parler, quand je suis arrivé, elle s'est elle-même mise debout. Je l'ai trouvé en train de vouloir vomir. J'ai dit à la sœur, tu vas vomir ce que tu n'as pas mangé. Elle m'a dit qu'elle avait faim. Sa maman lui avait demandé, Ornella, tu as vraiment faim? J'ai demandé à maman de chercher pour elle à manger. Elle a dit qu'elle n'avait rien à donner comme nourriture. Elle est allée chercher la bouillie du sorgho pour lui donner. Et je suis rentré. Et j'ai dit à la maman, la fille est déjà guérie. Elle va bien se porter, tout est déjà fini. C'est à cause de cela que j'ai voulu moi-même témoigner comme elle s'est déjà mise debout. Amen, amen. Merci beaucoup, que Dieu soit loué. Gloire à Dieu pour ce témoignage. Que Dieu bénisse notre sœur. Amen, amen. Nous acclamons.